Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'entretien du silk épine 9 Flex de chez Braun. Son entretien est indispensable à son bon fonctionnement. Mais d'abord, pensez à vous abonner à notre chaîne, à liker la vidéo et surtout à la partager. Lorsque vous déballez votre appareil, vous allez appuyer sur le bouton marche arrêt et vous allez constater que l'appareil ne s'allume pas. C'est tout à fait normal. La batterie est en mode veille. Il va falloir le brancher au secteur pendant 2 heures pour réveiller la batterie. Par sécurité, lorsque l'appareil est branché au secteur, vous ne pourrez pas le mettre en marche. Vous devrez débrancher obligatoirement la prise secteur pour faire fonctionner l'appareil. Maintenant, nous allons voir l'entretien de la tête d'épilation. Pour la démonter, vous allez appuyer sur le bouton situé derrière et la tête va sortir directement. Ensuite, il va falloir démonter la tête en l'ouvrant sur le côté. Et là, vous avez accès aux petites pincettes qui vont servir à bloquer et arracher les poils. Alors, vous allez utiliser la petite brosse fournie et vous allez faire tourner pour nettoyer toutes les petites pincettes. Ensuite, vous allez pouvoir remonter la tête. Alors, il y a une petite astuce. Il y a une petite flèche de chaque côté. Il faut que les deux flèches soient face à face pour les remonter. Autre solution pour nettoyer la tête d'épilation, vous mettez la tête sous l'eau tiède, vous allumez le rasoir, vous laissez tourner les rouleaux pour que ça élimine bien les poils. Ensuite, vous n'oubliez pas de l'égoutter pour éliminer un maximum d'eau. Vous démontez la tête et vous laissez sécher avant de l'utiliser. Si vous avez utilisé la tête de rasage, il va falloir aussi la nettoyer. Vous allez l'extraire en appuyant sur le bouton. Vous allez passer le doigt derrière la grille et vous allez sortir la grille. Vous allez utiliser la brosse pour nettoyer, comme ça. Ne jamais utiliser la brosse dans la grille parce que vous allez l'endommager. Vous pouvez aussi passer le tout sous l'eau chaude pour le nettoyer. Alors par contre, il faut que tout soit bien sec avant de la remonter sur le rasoir pour l'utiliser. Il n'y a pas de sens pour remonter la grille. Il est possible de nettoyer la tête avec du savon liquide, mais dans ce cas, pensez bien à la rincer après. Je vous conseille de les nettoyer aussi avec de l'alcool acheté en pharmacie. Ça permet de les désinfecter. Je vous conseille également d'acheter de l'huile spéciale pour rasoir. Vous mettrez une petite goutte sur la tête de rasage et ça permettra de lubrifier tout l'ensemble pour qu'elle fonctionne correctement. Prenez soin de vous, pensez à l'entretien de votre appareil et à bientôt pour de nouveaux tutos.